Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Ouais, là pour faire les fusions. Voilà, il connaît, il connaît. Donc aujourd'hui, c'est la guerre du bench, les gars. Normalement, c'est ça le titre de la vidéo. Donc Ibrahim, que vous connaissez tous, du Corona Gym, il a ramené son poulain. Ouais, mon petit Solal. Et j'ai ramené mon poulain. Pimous, vas-y. Chacun présente son poulain, toi, viens là. Vas-y, honneur au Corona Gym parce qu'on est à domicile aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont énormes. Ok, bah ouais, c'est logique, on va gagner. Alors, Solal, 1m68, combien de kilos? 92 kilos. 92 kilos, voilà, la bonne bête du Corona Gym. Comme un bout de viande avait tapé son pec. Hein. Gros, c'est la bête du Corona Gym. Aujourd'hui, je lâche mon pitbull. Genre, le but, c'est de le déglinguer, genre clairement. Donc voilà, bah, on est là pour le gagner. Hein. Bah, on est là pour tout donner. Hein. On l'appelle Frosty le clown aussi. Non, ça non. Voilà le pitbull. Bon, t'es un sacré concurrent, Solal. Pimous, vous le connaissez les gars. Tu nous as dit toi un RM au bench 180 au bench. Donc voilà, elle est passée bien. Donc avec sous bande ou sans bande? Arrête de dire oui. C'était dit articulation, je peux pas. Ah ouais, je vais prendre tes bandes pendant que je vais tout avant, quoi. Ouais, t'as raison, les essais de bench. La chaîne. Donc un gros bench 180, ouais, ici on a 185. Comment tu te sens en masse 185 après. Tu te sens comment aussi? Ça va hein. Non mais t'es fatigué. On a bien mangé. Vous laissez celui-ci. Arrête. Solal sort de 6h d'avion. Alors t'as mangé depuis 3 jours. Moi déjà je pratique le ramadan. Donc les gars, Pimous il est fatigué. Et ouais, nous on bête la forme, c'est ça. Ouais, c'est totalement. Ibrahim il a cherché à l'engraisser toute la journée, vous verrez. Sur sa chaîne, il y a un vlog, il est toujours là à lui dire tiens, mange ça, tiens, mange ci. Prends des Doliprane, il voulait même le doper et tout, donc les gars. Mais c'est grave. Il va assurer. Donc là, ils vont s'échauffer tranquillement. Et ensuite, ils vont passer. Alors, je vous explique le jeu, il est simple. Il y a 4 barres 140 kg, 150 kg, 160 kg et 170. 170, ah, 170 ça va être laborieux. Ça va être. Donc, chaque... ouais, ouais, vraiment très laborieux. Chacun à leur tour, ils vont s'affronter sur, sur ces barres. Et pour que ça soit juste une fois, Pimous va commencer. Et là, ouais. ça sera sur la. Ça fait 2-2. Et le but, c'est de faire le plus de reps sur la barre. Donc, ah c'est comme ça monsieur. Non filmé. Mais non mais on s'en occupe au montage. Donc celui qui fait le plus de reps marque le point. Il y a 4 manches, ça peut faire ex-aequo. Et j'espère au moins il y aura une revanche. Ils vont peut-être venir dans le lot. Hein. Je vais revenir en masse, on va voir qui est qui. Ouais, on va parce que déjà il y a un truc, on est à domicile, voilà. Donc là on est au Corona Gym, donc c'est match de Ligue des Champions. Donc il y a le public Corona Gym. Oui, il y a le public Corona Gym. Donc je laisse venir, venez. Nous on est une équipe. En fait c'est ça le Corona Gym, on est une équipe, on n'est pas que deux. Donc si jamais on perd, on sait ce qui se passe et on représailles qu'il y aura. Si on perd, on les attaque tous ensemble. On est tous là, les gars. Ils sont obligés de venir à 10 pour affronter la FF. C'est pas Haroun, viens ici. Dis-moi. Besoin de ton avis. Dis-moi. Pronostic. Pimous. En vrai. Ou Solal. Solal, c'est un gars de ma team. Pimous, j'apprécie. Très bon physique. De la force. Et je veux dire Solal, parce que c'est un gars de ma team. Allez. Mais Pimous m'a l'air vraiment incroyable. Donc vraiment, ça sera très serré. Mais il est fatigué. Dis-le. Romain, pronostic. Bah, moi je parie sur Solal parce que forcément je soutiens Solal. Allez, Gylan, pronostic. Ça va être très serré mais Solal. Parce que Pimous il a fait 185 mais en prise de masse. Là faut savoir qu'il est pas en prise de masse, voilà. C'est ça qu'il faut dire. Bon sang on aime, donc il lui a trouvé des excuses, c'est très bien. Donc vous l'avez vu, on est en terrain ennemi les gars. Mais on va représenter la FF. Bon ça s'échauffe à 100 kills. Solal, t'en penses quoi de Pimous là? Bah il est bon, bonne technique, bon levier et bon état d'esprit donc bon. Tu penses que tu vas gagner ou pas? On verra ça, moi je me prononce jamais avant le combat. Tout à l'heure il a dit je vais le fumer. Bah jamais je dis ça. Fumer, je dois avoir un coup de karma, je dis rien. Si il a dit ça tout à l'heure, je l'ai entendu. Je ne dis rien. Quelle arrogance. Mais gros c'est quoi ça? Plein de place, j'ai la caméra. Je disais que je l'aimais c'est tout. Tu représentes une discussion. Je vais tout donner, de toute façon tu sais. 27 je vais tout donner. Suis. Faut pas que tu les déçois. Je vais tout donner. Si j'échoue, ça sera dans le mal, le plus complet. Faut que je m'arrêterai pas tant que je suis là. Je sais qu'il est pas bien, mais moi je suis persuadé qu'il peut quand même gagner. Je vais tout donner. Tu sais très bien que je donne toujours tout, tu l'as vu. Le nom de famille et la FF. D'accord. On représente deux choses aujourd'hui. Bon, on passe à la première manche, 140 kg sur la barre. Donc l'ARM pour certains et un jeu pour d'autres. Donc ils vont s'affronter là-dessus. Je rappelle, celui qui fait le plus de reps gagne. C'est Pimous qui va commencer sous cette barre. Et ensuite sur la barre à 150, ça sera Solal. Et ça va s'enchaîner. Il y a 4 barres à faire. La plus grosse, ça sera 170. Hein. Pas des petits joueurs. Mettez un like hein, pour ce genre de contenu, les gars. Je compte sur vous.
Solide. Non, allez. Là c'est match de rêve. Tu passes en premier, faut que tu donnes tout. Tu sais pas ce qu'il va faire derrière. Allez. Tu vas pas te cramer, t'as du repos, donc va à l'échec. Allez, monte. Allez. Allez, crame. Encore. Deux. C'est ça. Trois. Allez. Quatre. Allez. Cinq. Six. Allez. Deux. J'annonce 14 pour Solal par contre. J'annonce 28 gros, regarde bien. Ah ouais? N'avais pas, je sais pas, je sens qu'il est chaud. Non. Non, il est encore en masse. Allez Solal, allez. Charles Ness. Allez. Allez. Allez Solal. On vite qu'on refait. Allez Solal. Allez. 2. Allez. 3. Allez, allez, allez. Allez, 5. 6. Allez. 7. 8. Allez. Allez. Et demain, ça fait 9 là. 9. Il m'a fait peur. Bon, là, là c'est pas fini, oui, c'est pas fini. Après, Solal, voilà, il le baise au squat aussi, faut le dire. Donc là, le score, on peut rappeler? Là, il y a 1-0, du coup. T'as Pimous qui a fait 11 reps à 140. T'as Solal qui a fait 9 reps à 140. On va voir ce que ça donne sur du 150 et tout. Mais bon, le but, c'est de s'amuser, hein. Le but, c'est de le déglinguer. Les gens, ils vont dire, j'ai changé de discours par rapport au début. On va le déglinguer, on va le déglinguer. Mais pourquoi on le fait pas au squat? Moi, c'est la question que je te pose. Pourquoi on le fait pas au squat? On y répondra plus tard. Ouais. Mais les gars, vous avez vu ma réaction quand même quand Solal il a fait 9 reps. Ce n'était pas fair play. Ouais, j'avoue, ouais. C'est parti, allez. 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 Cinq, vas-y, il m'a fait peur. Juste 5, ça mec. 5 déjà, ça va être laborieux. Juste 5 à 150. Ça m'énerve, je devrais être plus fort que ça. Putain, 150 fois 5, comme si c'était nul, elle a dit ça. Alors qu'en France, il y a presque personne qui fait ça. Ouais. 1, 2, 3, 4. C'est facile, hein. 5, allez. Ouais, il se donne, il se donne. 6, ah, ouais. J'ai pas envie d'aller chercher sur 110, faut que je te bats avant, c'est mort. Putain, une rêve, sa mère. Non, j'en avais encore une dans le coffre. Oh non, 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 non. Le squat, c'est pas, pas pour piquer plus, mais toi, je cherche en plus. On en cherche un squat. Non, mais ils sont pareils, en vrai, ils ont le même caractère. Ah. Deux mauvais perdants. Là, je préfère me blesser, mais je perds quoi? T'es un baiser, gros. On va tout faire. Allez, Pimous, allez. Allez, Pimous. Allez. Ouais, une amplitude. Tiens, tiens, sur les côtés. Allez, vas-y, c'est mort, de l'aide. Sa mère. J'ai cru que mon pec allait se déchirer, là, vraiment. Vraiment? Ah, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai préféré pas pousser sur la dernière. 3. J'ai senti ça commencer à tirer. À tirer, je suis gâteau, ça. J'ai une grosse merde. Une merguez, c'est bon? Allez. Allez, sur la allez. La force part d'un coup. Putain. Quand j'ai vu la deuxième, je me suis dit la troisième elle va passer. La force elle est partie. Putain, ça m'énerve. Bon, est-ce que t'es fier? Voilà. 3-0 les gars. Mais juste, faut savoir que Solal, au final, il a perdu seulement deux reps sur la première manche, une rep sur la deuxième manche et une rep sur la troisième. C'est très peu. Donc il a, là il est énervé mais il a un très gros niveau. Un gros niveau l'enfoiré. Ouais, c'est tout. Il m'a surpris. Je suis fier de toi et franchement je suis content d'apporter ce duel là à la communauté parce que franchement c'est un beau duel. On a eu Brutus, aujourd'hui on a Solal. On vous ramène pas n'importe qui sur la chaîne donc les gars, abonnez-vous. Voilà. Allez. 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 C'est mort, c'est mort. Ça c'est un fatigue, ils sont cramés. Je suis cramé. Là, je suis mort. Allez, solide. Allez. Force sur les jambes. Gaine le dos, gaine les abdos. Allez. Encore. Allez. Allez. Champion.
Incroyable, incroyable. Sa mère, l'hypopète. Bah, un très bon travail. Bah, franchement, vraiment. Là, je c'est lui qu'il faut féliciter, c'est pas moi. Là, je m'incline. Il m'a poussé dans mes les deux se sont battus, franchement, c'est top. Genre, c'est des belles images. Cela le dit, on fait l'outro et comme non, ça. Non, non, il ment, j'écrase, il ment. Le Kai Brain, quand on rentre, je te le dis direct. Il y a des abdos. Ouais. Non, attrape-le, regarde, attrape-le. Fais voir. Il y a des abdos plus que toi, hein, je te le dis, largement. Tu m'entraînes pas, moi, depuis tard, il me dit, monte tes abdos, c'est juste pour ça. Depuis tard, dans sa tête, il se dit, ah bon, c'est bon. Non, lui, il a commandé en bitcoin, dans ce que tu veux. On est en bitcoin, là. Les gars, fin de vidéo, vous avez eu le résultat. Bon, c'est une victoire de Pimousse. Bon combat, ouais. Franchement, super. Très beau combat. Très beau combat. Je suis sûr, la vidéo, là, voilà, vous l'avez kiffé. Ouais, il est bon, j'ai rien à dire, il est au-dessus. Là, honnêtement, je dirais. Victoire totale. On s'avoue vaincu, mais on demande quand même une revanche. Au squat. Et on est d'accord. Et est-ce que tu t'engages là maintenant devant les gens à avoir une revanche? Il n'y a pas de problème, on fera. Au deadlift aussi, puisque c'est au comme squat. Ça. Okay. On fera les épaules, on fera les bras. Mais il y aura un duel de desto de toute façon. Non, en fait, le problème, c'est que là, au bench, il se valait vraiment. Vous avez vu les reps au niveau des différences. Deux reps seulement sur la première manche, une ensuite, et une sur la troisième, et une sur la quatrième. Ouais, c'est très proche. Alors que s'ils font sur les jambes, je suis mort. Ça va être un écart. Il va l'éclater. Solal, il y a un squat à 240. Pour mon père, lui, ils squattent en série avec. Voilà, ils ont pas du tout le même niveau, donc ce serait peut-être pas intéressant pour vous. Si vous le voulez, mettez-le en commentaire. Non, mais c'est bien le squat. Moi j'aime bien le squat en vrai. Il est blessé, c'est chaud. Non, mais en vrai, le deadlift, c'est nul. Tu fais squat, baisse, deadlift, tu sais. Genre, moi je squat et lui, deadlift, c'est celui qui monte le plus. Son PR au squat, c'est mon PR au deadlift. On peut faire ça. Ah, ça peut être sympa. Ça peut être très amusant. C'est très grave. Bon, on va réfléchir, les gars. Aidez-nous aussi. Dans les commentaires. Dans les commentaires, voilà. Il y a plein de vidéos qui vont sortir sur la chaîne de Ibrahim. N'hésitez pas. J'ai dit la chaîne, c'est pas Ibrahim, la chaîne c'est Corona Gym Off. Ouais, off. Donc elle sera en description. Allez voir, il y a du super contenu, les gars. Et voilà. Ouais, et honnêtement, bon combat dans le sens bonne mentalité, c'était ça. Pas de. Non, y a pas de je te crache dessus. Ouais, y a beaucoup de respect. Moi, dans les pères. Belle mentalité. Je voulais perdre. Non, ça me donne un objectif. Ouais, bon, c'est bon, on attendait d'être humble, mais pas à ce niveau-là. Bon, les gars, c'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de. Corona Gym. Bah, Corona Gym. Pimousse et Didjo, force et let's go. Let's go. Allez Romain. Allez, ça monte gros. Allez, ça monte, tous.